Jean-Pierre Mouniès pour ce grand débat démocratique. Jean-Pierre Mouniès, ça fera un plaisir de répondre à toutes les questions. Allez, on est prêt à accueillir le futur président de l'Europe, Jean-Pierre Mouniès. On se calme. Simplicité, hein, dans le calme. Voici le moment d'attaquer ce grand débat avec Jean-Pierre Mouniès. Quelles sont les premières questions? Qui a une question à poser? Bonjour, je m'appelle Dédé, j'aimerais savoir ce qu'il va faire le président pour l'invasion des frelons asiatiques. Les frelons asiatiques, je n'ai qu'une chose à répondre. On ne se fera pas baiser par la Chine. On ne se fera pas baiser par le Japon. On ne veut plus en entendre parler. S'ils continuent à nous envoyer des frelons, eh bien nous, on arrêtera d'acheter des couteaux, des Suisses et des couteaux, des conneries, des stylos et des trucs japonais, des trucs chinois. Et puis c'est tout. Une autre question, qu'est-ce qu'il y a avec votre question? Que comptez-vous faire au niveau des voitures électriques? Est-ce qu'en 2020, on pourra rouvrir à l'électricité? Alors, pour les voitures électriques, j'ai des réponses claires. On a les voitures, on sait faire des voitures électriques, ce qui nous manque, c'est les rallonges. Mais on parle de 300 bornes d'autonomie, ça fait quand même du fil. Donc, dès qu'on aura les usines pour le fil, on fera des voitures électriques pour tout le monde. Bonjour, monsieur le président. Je représente les prothésistes dentaires et je voudrais savoir. Pas trop long la question, pas trop long. Il paraît que vous allez rembourser les prothèses dentaires, mais à partir de quand? Je n'ai jamais dit que j'allais rembourser les prothèses de la terre, je pense pas. C'est une question qui plombe. C'est une question qui plombe. Et regardez, voilà, dès qu'on rembourse les prothèses, ça pourra mettre aussi. À propos d'écologie, à cause de la sécheresse, où on va à l'apéro avec le manque d'eau? Alors là, c'est simple, il faut se faire une raison. Il n'y a plus d'eau sur la planète et il n'y en aura plus bientôt dans le Ricard. Donc, on préconise avec Roland, avec toute l'équipe, avec tout le staff, Ricard pur à tous les étages. On ne met plus d'eau dans le Ricard. Ne plus mettre d'eau dans le Ricard, c'est respecter la planète. J'ai une question concernant l'enseignement, parce que l'avenir, monsieur le président, ce sont nos enfants. Qu'est-ce qui va changer au niveau de l'éducation nationale? Au niveau de l'éducation, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit dans mon programme, je demande qu'à partir de 4 ans, dans les cantines municipales, l'alcool soit servi. On ne sauvera pas la viticulture sans donner à boire à nos enfants très jeunes. Par rapport aux valeurs, est-ce que vous allez remettre le mot chocolatine ou laisser perdre au chocolat? Merci de me poser cette question. C'est évident qu'une chocolatine restera toujours une chocolatine. Qu'est-ce qui nous casse les couilles avec leur pain au chocolat? Qu'est-ce qui nous fait chier avec leur tour Eiffel? Qu'est-ce qui nous fait chier avec tout ça? Non, je le dis, votez pour le président Mouniès. La capitale d'Europe, ça sera à Limoux. La tour Eiffel sera mise dans l'Aude. Il n'y a pas de raison, mais voilà. Qu'est-ce que vous pensez du contrôle d'alcoolémie lors des concours de pétanque? Qu'est-ce que je peux vous répondre à ça? Il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on riait avant quand on voyait ces boules partir à la mer? Bien sûr. Ces types qui jetaient des boules sur le public, qu'est-ce qu'on riait? Aujourd'hui, c'est fini, tout le monde joue pour être le plus près du cochonnet. C'est une tristesse. Je supprimerai évidemment les contrôles d'alcoolémie dans les parties de pétanque. Je voudrais savoir si vous allez imposer aussi la sieste l'après-midi après le repas. Alors, nous avons testé déjà la sieste l'après-midi sur tous les employés municipaux. Et vous avez vu que le taux de mortalité des employés municipaux est bien plus bas, le taux de mortalité, que pour les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris ce que c'est que se régénérer, et il y en a plus qui se régénèrent, pas mal d'ailleurs. Je voudrais savoir à combien vous comptez laisser le taux d'alcoolémie sur la route. Je pense mettre le barème à 12 grammes. Je demande que tout policier qui fera souffler un automobiliste devra souffler lui aussi. Ah, parce qu'on les soupçonne d'être souvent plus bourrés que nous. C'est vrai. Oui, on a parlé alcool. Oui. On a parlé vitesse. Moi, à Jeun, à 80, je m'endors. On aura le droit de rouler combien? À 12 grammes. Alors, à 12 grammes, on ne pourra pas descendre en dessous de 150 à l'heure. Mais bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe en France? On met les ronds-points, ça ralentit tout le monde, et on met les panneaux limités à 80. Oui. Et alors on se plaît qu'il y ait des bouchons, des accoutillages, les gens s'énervent, ils freinent, ils accélèrent, il y a des accidents. Imaginez que tout le monde soit bourré à 150 à l'heure et qu'il n'y ait plus de ronds-points. Putain, je pense qu'il y aurait moins de bouchons. Déjà 4 heures de débat et les questions fusent du groupe. On continue. Qui prend la parole? Moi, il y a le chien de mon voisin, il s'est échappé hier, il m'a tué une poule. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, j'ai une question sur ma voiture, elle ne démarre pas. Elle fait pop. Donc, c'est pour savoir si vous saviez ce que c'était. Je ne comprends pas. Je viens du Cap d'Agde et dès que je sois dans la rue, ils sont tous habillés. Je ne sais pas quoi mettre comme chaussettes demain, des rouges ou des bleus. 10h de débat déjà et je vois que tout le monde est encore concentré. À 200% pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, l'Europe de Jean-Pierre Mounies. Des questions? Mademoiselle, une question? Monsieur Mounies, on dit que vous avez acquis une énorme fortune personnelle avec votre salon de coiffure, est-ce vrai? Jean-Pierre, ça te dérange pas de parler de ça? Non, ce qui me dérange, c'est... je suis obligé de le dire, c'est Marie, on a vécu 2 ans ensemble, et c'est que j'étais comme une merde, et maintenant ça va, je vois ce qui s'est passé. Alors, dire ça de ta part, Marie, ça me déçoit cruellement. En plus, ce n'est pas vrai, je n'ai pas d'énorme fortune personnelle, rien n'a été déclaré, tout est au black, dans des boîtes, et donc personne ne peut vraiment les coter, surtout pas toi, tu en as bien profité, parce que même ce qui importe encore, c'est des trucs que j'ai payé moi, c'est de ma poche. Monsieur Mounies, rebonjour, on dit que vous avez été financé par des puissances étrangères, est-ce vrai? Est-ce qu'il y a une autre question? La dernière question de cette salle de débat. Bon, Jean-Pierre, hein, qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait 12 heures qu'on débat là. Il est 2 heures du matin, on est crevé là. On a dit que battre le record de Macron, on le bat. Mais tu l'as déjà battu le record de Macron, là, ça y est, il est pulvérisé. Ça les intéresse, on discute. Et c'est ça le débat, ça intéresse à la France, est captivée. Oui, ça n'est pas seul, mais il faudrait savoir arrêter au bout d'un moment. Mais pour hier, nous avons des questions. Okay. Pose-nous, tu n'as pas posé de questions, toi. Justement, il y a un certain Jean-Claude de Pézenas qui arrive. Ah. Bonjour, je me présente, je suis Jean-Claude de Pézenas et je voulais vous poser une question, monsieur le président. Avec votre liste et votre programme, est-ce que vous pensez que vous allez gagner? Je sais que c'est une question que tout le monde se pose. Oui, je pense que je peux gagner. Vous savez, il ne s'agit pas, il n'y a pas de raison de s'énerver, il n'y a pas de raison d'en faire trop. Mais à un moment, quand on sait qu'on va gagner, et c'est qu'on veut gagner. Regardez au départ, par exemple, Macron, au début, Macron, que j'ai dit, voilà, Macron, il ressemble à rien, il est boutique, il s'en va, on le disait ça, et puis après, il a gagné, mais moi, c'est pareil, moi, je me vois gagner. Je me disais, pourquoi je vais gagner? Je vais gagner, parce que le monde politique, Le monde politique, il y a Macron, il est là. Oui, voilà, je vais écouter tout le monde, je vais faire des débats. Il y a sa femme, oui, il faut faire des débats. Et lui, il fait des débats. Et là, qui c'est qui arrive? Un Mounies qui arrive. Oh putain. Et là, tout seul, l'Europe est de nous. Voilà, on va gagner. Je suis bluffé. On va gagner. Et tu sais pourquoi on va gagner? Parce qu'on va gagner. C'est tellement simple en politique.